C'est peut-être l'un des plus gros trafiquants de migrants à l'heure actuelle. Medaniye Mered, érythréen de 35 ans, a été arrêté au Soudan et extradé vers l'Italie. Il est soupçonné d'être à la tête de l'un des plus importants réseaux de passeurs. Les autorités italiennes parlent d'un résultat extraordinaire. On ne parle pas ici d'organisation rudimentaire, mais d'organisation structurée avec des plateformes logistiques, des armes, des véhicules. Ce sont de vraies organisations criminelles avec des filières tout au long de la route des migrants, de l'Afrique centrale jusqu'à la Scandinavie. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir organisé à partir de 2013 le passage en Europe de centaines de personnes par mois, dont plusieurs sont mortes lors de la traversée de la Méditerranée. En octobre 2013, un bateau chargé de migrants avait pris feu et coulé, faisant plus de 350 morts. L'arrestation de Medaniye Mered est un véritable tournant, s'est félicité le procureur de Palerme ce mercredi.